جميع المشاهدين في لبنان والعالم، قضيته قضية المحرومين والفقراء والمشردين، أيقونة في قلوب الفرنسيين. بابا الفقراء هو قديس أحمر، بالرغم من عدم انشقاقه عن الكنيسة، يحلم يوما بخلع ثوب الكهنوت، كاهن مقاوم ثائر مناصر للقضية الفلسطينية. ألتقيه الليلة في عرينه الباريسي، شقة متواضعة يسودها جو التقشف الذي يعشقه. هو ابن الدلال الذي كان يركب الدراجة في دهاليز قصر العائلة البرجوازية، من المكتبة إلى المكتب، فالسرير قليلا ما يخرج. تمثال العذراء يضيء قداسه اليومي، كتب كثيرة في التاريخ والدين، صور للدلاي لاما، لياسر عرفات منحنيا أمام سريره سرير الألم، قصير القامة لحيته شعثاء، فرض غضبه على كبار العالم الذي وللأسف لم يتغير. الليلة ألتقي الأبي بيير، وفي البداية هذا الريبورتاج. ولد أنري غرويس في مدينة ليون الفرنسية بتاريخ 5 آب من العام 1912 من عائلة ميسورة. في سن 12 رافق والده إلى الأخوية العلمانية لممرضي الليل، حيث البرجوازيون يمارسون مهنة الحلاقة كمتطوعين للفقراء. في سن 16 أراد الانضمام إلى الرهبنة الفرنسيسكانية، وفي العام 1931 تنازل عن ميراثه وانضم إلى الكبوشيين ليصبح كاهنا في غرينوبل. في خلال الحرب العالمية الثانية اكتشف الاضطهادات والتزم بمساعدة اليهود على العبور سرا إلى سويسرا من خلال إصدار الأوراق الثبوتية المزيفة. عندئذ حمل اسم الأب بيير. انتقل إلى إسبانيا عام 1944 ليلتحق بالجنرال شارل دوغول في الجزائر، ويصبح من بعدها نائبا في نانسي. وقف في وجه المد الشيوعي، لكنه سرعان ما راح ينفق على الفقراء أجره كنائب. أنقذ جورج وهو سجين سابق من الانتحار، طالبا منه أن يساعده على مساعدة الآخرين. عندئذ بدأت عمانوس حركة دولية منتشرة في أكثر من 40 بلدا، منها لبنان الذي زاره في مطلع السبعينات، وقد نتجت عن هذه الزيارة واحة الرجاء التي استقبلت المستبعدين والمحتجين أثناء الحرب اللبنانية. وقد أعيد أحياء هذه الواحات عبر جمعية التضامن المهني التي تتابع مهمة عمانوس عبر منح قروض للبؤساء والمهمشين وتسهيل اندماجهم في الدورة الاقتصادية الوطنية. الأبي بيير هو الناطق باسم الفقراء، أدهش العالم بطاقته الملفتة، طبع القرن العشرين وأصبح الدليل الحي على أن روحا واحدة تستطيع إيقاظ الضمائر وإزاحة الجبال. Monsieur l'abbé Pierre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la personnalité la plus populaire en ce début de siècle, une icône en France, un saint non encore canonisé ni béatifié. Vous êtes presque adulé. Comment expliquez-vous cet amour que vous portent les Français? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Allez le demander par-ci, par-là, aux gens que vous rencontrez. Mais j'ai d'autres soucis que d'inquiéter tout ça. Monsieur l'abbé, pourquoi les Français se reconnaissent-ils en vous? Est-ce que parce que vous incarnez les valeurs basiques, simples et pures? Sûrement, bien sûr. Dans la mesure où je peux vivre ces valeurs. Mais vous savez, quand on est spectateur, que l'on regarde des actions, on peut les trouver admirables et très bonnes. Mais quand on est dedans, quand on les vit, on n'a pas le temps, le loisir
de contempler ce qui est fait, on voit que ce qui n'est pas fait, que toutes les souffrances qui n'ont pas de réponse à l'instant, pendant que vous aménagez tout votre matériel, on me portait des lettres à signer aujourd'hui au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur pour des malheureux qui sont dans la grève de la faim, certains d'entre eux depuis 40 jours, suppliant qu'on leur trouve une solution au problème d'un permis de séjour. Et c'est ainsi souvent que je me trouve appelé à avoir des interventions de tel niveau, et en même temps que les interventions les plus simples, ordinaires, de la petite aide à donner ici ou là. Oui, quand, vu de l'extérieur, ça paraît beaucoup d'action, mais rassurez-vous, vous voyez le lieu dans lequel je vis, aidé par un ami, et c'est un lieu vers lequel affluent des souffrances qui n'ont pas encore trouvé de solution, dans, soit dans les lois des États, soit dans les actions sociales qui doivent compléter ou anticiper sur la loi qu'il faudra bien forcer à établir. Monsieur l'abbé Pierre, effectivement, pourquoi le monde vit sans amour, sans grâce, sans compassion? Premièrement, il faut corriger un regard que nous avons sur cela. Il faut corriger du fait que ce qui est contraire à l'amour, à la justice, à la fraternité, cela qui est contraire se sent, se voit comme si l'on est dans une pièce mal aérée où on sent que quelque chose ne va pas. Et le mal, donc, nous apparaît beaucoup plus important par rapport à ce qui est la bonne volonté, l'effort d'amour, de partage, ce qui est le bien, parce que c'est ce que l'on attend, on ne le remarque pas. Il ne gêne pas, il n'oblige pas à se poser des problèmes. Au contraire, il épanouit, il détend. Et alors, veillons à ne pas laisser l'image du mal, du refus d'amour prédominer. C'est un danger qui nous guette tous sans cesse. C'est un peu, ça me rappelle ce que si souvent j'ai entendu dire, parce que pendant 6 ans, j'ai été député au Parlement, et cette parole si fréquente, en tout cas en France, disant « ce sont tous des canailles, ce sont tous des élus, des gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels ». Et je réponds toujours en disant que sur les 600 ou quelques, il y a quelques-uns qui valent pas cher, c'est bien possible, mais j'ai de l'estime dans les différentes étiquettes politiques pour ceux que j'ai connus, pour beaucoup d'entre eux, plus qu'on ne le voit, qu'on ne le sent, la loyale bonne volonté est réelle, mais on est attentif qu'à un plus ou moins grave scandale qui peut apparaître de temps en temps dans les milieux politiques, et à partir de un fait très particulier, on généralise. À votre avis, pourrait-on refaire le monde de façon à ce que ce monde soit plus juste, à ce que chacun y trouve sa place et puisse y vivre dignement? Bien sûr que c'est possible. Ça dépend de vous et de moi et de chacun de ceux qui sont ici. En réalité,
C'est une lutte qui est à entreprendre de nouveau tous les jours, chacun pour ce qu'il peut, et en s'unissant entre ceux qui parviennent à une même conception de la société. Et unis, ils recherchent les méthodes qui permettront d'influencer le pouvoir et de faire que la législation sans cesse soit à la recherche de meilleures réponses aux appels de toutes les sortes de souffrances. Monsieur l'abbé Pierre, avec rage et amour, vous avez parcouru la planète et insufflant de toutes vos forces un esprit de solidarité qui a déclenché une avalanche de bonne volonté. Dites-moi, qu'est-ce qui vous guide ? Comme ce qui vous mène à votre travail chaque jour, chacun de vous, vous ne posez pas beaucoup de questions. Il y a des circonstances qui se présentent, qui appellent, et pour lesquelles nous faisons ce que nous pouvons. Pour moi, vous savez comment tout cela s'est trouvé embarqué. Ça n'a pas... Et c'est important, si on veut s'en faire une idée utile, c'est important de ne pas croire, parce qu'il s'agit de quelque chose qui a pris de l'ampleur, qui intervient dans la vie d'une quarantaine de nations actuellement, parce qu'en France, il y a de ces communautés fondamentales qui sont l'essence même, le germe de tout ce mouvement couvert du nom d'Emmaüs. En France, il y a 114 de ces communautés, ce sont environ 4000 compagnons, plus ou moins autant d'amis autour de chacune des communautés qui vivent la vie ordinaire avec leurs diverses professions, mais qui donnent leur coopération à l'action que le travail des compagnons permet d'entreprendre. Monsieur l'abbé Pierre, nous allons nous arrêter avec une page publicitaire et puis par la suite, nous allons reprendre cet entretien avec vous. أصدقائي المشاهدين، لقاءنا وحوارنا الليلي مع الأبي بيير منتبعه بعد هذه الاستراحة، خليكم معنا. نعود لمتابعة لقائنا وحوارنا الممتع والشيق الليلي مع الأبي بيير. لحظات طبعا من العمر عم نقضيها معه وعم نستمع له بكل شغف وبكل محبة. Monsieur l'Abbé Pierre, vous avez peu chômé depuis 60 ans. Pourtant, vous êtes fatigué. Vous venez justement de me dire maintenant, au cours de cette intermittence, comme quoi votre voix peut tromper. Elle paraît, ou plutôt, elle donne l'impression que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, mais effectivement, vous êtes enlacé, vous êtes fatigué. Dites-moi, cette force intrinsèque qui est en vous, d'où vous la puisez ? Je n'en sais rien, je cherche bien. Je pense que tient une place importante quand on veut chercher une réponse à cette sorte de question. C'est ce qui a une place importante. À 19 ans, j'ai laissé tout et j'ai passé 6 ans moine capucin et à une époque qui, je crois, n'est plus pareille maintenant. C'était d'ailleurs probablement excessif, mais nous avions les offices tout au long de la journée et la nuit. On était réveillé de minuit à 2 heures du matin, et après une première heure où se psalmodiait des psaumes de cœur, il y avait 1 heure dans l'obscurité complète, avec la lampe du Saint-Sacrement. Et dans la deuxième heure, c'était l'adoration, sans céder de quelque lecture que ce soit.
Et je suis certain que, avoir vécu cela pendant 6 ans, à cet âge, j'ai eu mes 20 ans au noviciat, c'est une sorte de plante qui a été semée et dont les effets, les branches, les fleurs et les fruits n'apparaissent qu'au long de toute une vie. La santé a fait que je n'ai pas pu, après mon ordination de prêtre, rester parmi mes frères capucins, tout en étant membre du tiers-ordre de Saint-François d'Assise. Mais certainement que quand j'ai quitté le couvent, quelques mois après mon ordination de prêtre, devenant prêtre du diocèse de Grenoble, parce que les médecins voulaient qu'il aille à la montagne, mais ça a été la guerre. Dans les 3 mois qui ont suivi, c'était la mobilisation. Je n'ai pas eu du tout de participation au combat, parce que, après les premiers mois dans la Savoie, puis ensuite en Alsace, au bord de la ligne Maginot, mais j'ai été pris par une pleurésie grave et on m'a évacué. C'est bien que pendant toute la période où les combats avaient commencé, j'étais trimballé d'ambulance en ambulance jusqu'à Narbonne, dans le sud. Et ensuite, ça a été la capitulation de la France. Et quand j'ai été guéri de pleurésie, j'ai repris les travaux que me demandait l'évêque. Il m'a appelé comme vicaire à la cathédrale de Grenoble. Et c'est là que la résistance m'est arrivée, avec une nuit, 2 hommes désespérés dont les familles, en leur absence, avaient été enlevées et eux-mêmes se cachaient. Je les ai cachés et c'était avec eux et d'autres qui étaient cachés par les sœurs de l'ordre des Dames de Sion, qui avait un grand pensionnat à Grenoble et qui avait les locaux qui leur permettaient de cacher quelques-uns. Mais alors j'ai pu emporter tout le monde et faire mon premier passage de la frontière au col du Tour, à presque 3000 d'altitude. Et à partir de ce moment-là, la misère se devine de l'un à l'autre. Et il a fallu organiser ce sauvetage. Un peu après quelques mois, ça a été le cas du frère du général de Gaulle. Il avait un frère, le plus jeune, ingénieur brillant, et qui avait été pris par je ne sais quelle maladie, Parkinson et autres, et qui vivait en tremblant et en ne pouvant pas exprimer un mot. Ce n'était pas simple. Il n'était pas question de faire passer quelqu'un dans cet état par la montagne. Il a fallu donc trouver un moyen de couper les barbelés à un point de la frontière, et aidé par un prêtre dont la paroisse était là, nous avons pu faire passer Jacques de Gaulle et sa femme. Quand il a fallu organiser des évasions par l'Espagne, parce que la Suisse, à un moment, ça a été il y a eu de très dures interpellations dans les assemblées suisses après la guerre, car il y a eu un moment où, dans la dernière année, la Suisse a refoulé en France ceux-là même qui avaient réussi à passer la frontière. Et il a fallu alors organiser les mêmes passages par les Pyrénées. Et ce que j'ai été faire, un retour d'un de ces passages aux Pyrénées, j'ai été arrêté à Cambeau-les-Bains, et par des circonstances qui seraient trop longues à raconter, parce que j'avais la chance d'avoir pris possession d'une lettre d'un ministre de Vichy
Monsieur Darquet de Pellepoix, qui était responsable des questions juives, et qui, dans une lettre parvenue à un de mes amis, qui était un spécialiste des études de généalogie, d'héraldique, de blason, Darquet de Pellepoix lui écrivait en lui demandant, par défaut, d'établir qu'il serait descendant d'un Darquier fait baron par Napoléon, ce qui n'était pas vrai. Mon ami en avait été révolté et j'avais pu prendre possession de cette lettre. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Car quand j'ai été arrêté par les Allemands à Cambeu, j'ai sorti la lettre du ministre en disant que le baron Darquier était un masque et que j'étais là pour rechercher dans les sacristies, les études de notaire, les moyens de faire établir une descendance du ministre avec ce baron basque. C'est ce qui m'a sauvé la vie, la lettre du ministre. Père, il avait toujours ce signe, il avait des signes, de je ne sais pas d'où. Toutes les filles ont des signes que nous ne percevons pas. Tout à fait. Mais dans votre cas, on les a perçus un peu plus tard. Aujourd'hui, quand on en parle, on arrive à percevoir ces signes-là. Et en parlant de ces fêtes et de ces événements que vous avez vécus et qui naturellement vous ont marqué et qui, bon, vivent en vous jusqu'à aujourd'hui et qui ont fait de vous la résultante ou ce que vous êtes aujourd'hui. J'aimerais bien parler de votre rapport avec la mort. Depuis que vous êtes petit, vous demandez de mourir jeune. Oui, c'est raté, vous avez aujourd'hui 93 ans et vous êtes toujours doté d'une vitalité et d'une énergie. La mort, vous êtes passé à côté plusieurs fois, comme vous venez de raconter, et c'était raté. Voilà. Alors, dans la mort, qu'est-ce que vous cherchez à retrouver ou à trouver? Qui avez-vous envie de retrouver? Lors d'un naufrage, dans un bateau qui a brûlé, dans le Rio de la Plata, en Amérique du Sud, et il y a eu 80 morts. Et un journaliste qui était venu de Paris, quand on a dit que j'étais parmi les survivants, m'a posé cette question. Quand on voit mourir autour de soi et qu'on prévoit qu'on va mourir, qu'est-ce qu'on pense? Et j'ai répondu, ce journaliste bien souvent redit cette phrase qui n'était pas préparé, mais pris à l'improviste, je lui ai dit, c'est comme une rencontre longtemps attendue avec un ami. Si vous avez des amis auprès desquels vous vous trouvez quand ils sont à leur dernière extrémité, rien que de leur dire cela dans plus d'un cas peut les libérer de toutes les craintes que trop souvent on nous a données. La damnation de l'enfer sans se souvenir de la miséricorde du Seigneur. En réalité, n'oubliez cela, n'oubliez pas cela auprès de celui qui est près de notre sœur la mort, comme dit saint François d'Assise. Faites-lui bien percevoir qu'il va à la rencontre, non pas d'un flic, d'un croque-mitaine, mais à la rencontre d'un ami. Alors, les amis, d'habitude, quand ils se retrouvent, il y a des reproches qui ont lieu. La mort, chacun de nous va l'affronter naturellement. Quand vous allez rencontrer le bon Dieu, à votre avis, qu'est-ce qu'il va vous reprocher? Tant de choses. Ce serait trop de temps. Vous pouvez imaginer que, en 93 ans, on a eu le temps de faire des bêtises. Je ne manquerai pas d'objet, mais je pense que le Seigneur, s'il voit la bonne volonté, ne retient que ce qui a été fait par cette bonne volonté. Et relisons les évangiles, il n'y a que la fausseté, la cupidité. J'aime dire, il suffit d'avoir pendant sa vie mis sa main dans la main des pauvres, de ceux qui ont mal, pour être certain qu'au moment de mourir, on trouve
la main de Dieu dans ce notre main. Monsieur l'abbé Pierre, j'ai encore deux petites questions dans cette partie de la mission. Qu'avez-vous réussi le plus dans votre vie? Rien. Avec tout ce que vous avez fait, vous n'avez rien réussi? L'essentiel, ça aurait été d'être un saint, et c'est loin d'être ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure en commençant, quand on est dehors, on peut considérer des actions ou des vies comme ayant été très remplies. Quand on est dedans, on ne voit que ce qui n'est pas fait. Avez-vous été heureux? Il faudrait définir le bonheur, le fait d'être heureux. Comment vous le définissez vous-même? Probablement que le fondement de tout bonheur, l'exigence absolue, c'est être aimé. Et savoir que l'on est aimé de Dieu, c'est le bonheur. Ce qui n'empêche pas que notre Seigneur a connu toutes les souffrances de la Passion, sans que, puisqu'il était, sa personne était d'être le Verbe de l'Éternel, sans que puisse lui être ôté le bonheur de se savoir aimé. Et par Dieu, c'est la certitude. Encore une fois, une page avec la publicité Azraa et Al-Mushahidin. مثل ما لاحظتوا الليلي عم نستمع بخشوع إلى الأبي بيير إحدى الشخصيات الأكثر شعبية في العالم التي طبعت القرن المنصرم والتي أيضا طبعا تطبع هذا القرن الجديد. خليكم معنا منتابع لقاءنا بعد هذه الاستراحة. إذا انضميت لنا مساء الخير ليلى عم نحاور بابا الفقراء أو رسول المشردين أو القديس الأحمر ألقاب مختلفة أسماء مختلفة لشخص واحد هو الأبي بيير. أبي بيير إيفر 54 une femme meurt de froid dans la rue. Vous lancez un appel à la radio qui amène des flots de dons qui déclenchent les bonnes volontés par milliers et retourne le gouvernement en faveur des sans-logis. Depuis, vous n'avez pas cessé d'être le porte-parole le plus célèbre des exclus. Emmaüs est né. Emmaüs est le nom d'un village de Palestine où, selon la Bible, Jésus-Christ a apparu le lundi de Pâques, ressuscité à ses disciples. Emmaüs, est-ce une lumière qui apparaît à l'homme égaré, seul et errant? Oui. Si le récit qui est dans l'Évangile de l'apparition du Christ ressuscité, apparaissant à deux disciples qui s'enfuient, terrifiés. Et c'est en lisant ce passage de l'Évangile qu'est m'est venu à l'esprit ce que par la suite j'ai exprimé par les mots de la désillusion enthousiaste. L'illusion, tout, pour nous humains, tout commence par l'illusion. Le petit enfant qui voit une belle bougie allumée, c'est joli, il va jouer avec, puis il va se brûler les doigts, il n'y reviendra pas. Mais il apprendra plus tard comment on peut faire des merveilles avec le feu, mais autrement. Et il faut être sorti de l'illusion, dans la désillusion positive, pour que soit possible la rencontre enthousiasmante, entheos, ça vient du grec, être devenu un avec l'Éternel. Et pour que ce soit possible, cette union avec l'Éternel, il faut avoir passé par la désillusion. Et c'est parce que je voyais les filles et les garçons dont les parents s'étaient entretués peu avant, qui venaient d'Allemagne, d'Angleterre, de Suisse, de France, et qui venaient chez moi, ce qui était à l'époque, au début, une auberge de jeunesse,
parce que je voyais les meilleurs, les plus intelligents, les plus généreux de ces filles et de ces garçons douter de la vie, parce qu'on commençait à avoir des informations sur les camps de concentration, on commençait un peu à avoir des informations sur les bombes atomiques dans notre camp, et voyant à quel point l'homme était capable d'être contre l'homme, ces filles et ces garçons doutaient de la vie. C'est alors que, ayant relu l'évangile d'Emmaüs, j'ai pensé qu'il fallait leur montrer qu'il fallait que la sortie de l'illusion soit la désillusion enthousiaste. Père, êtes-vous un messager ? Pardon ? Êtes-vous un messager ? Je n'en sais rien. Demandez à ceux qui reçoivent. Aujourd'hui, 50 ans après, la pauvreté est toujours ancrée. Pensez-vous que la situation a changé depuis ? Elle change tout le temps. Elle n'est pas changée, ça ne veut pas dire qu'elle est moindre. La souffrance, par Saint-Côté même, va en empirant, parce que, avec tous les procédés de technique dans notre société, ce qui fait souffrir devient de plus en plus répandu. Ceux qui, aujourd'hui, passent dans les rues, voient les affiches de publicité pour donner envie, pour faire vendre. Ceux qui voient un instant de télévision, ils sont désormais au courant plus ou moins de tout. Donc leur souffrance devient pire parce que ceux qui depuis toujours étaient habitués à souffrir en arrivent par l'évolution de notre société à souffrir de souffrir. Mais c'est aussi une espérance s'il y a une main fraternelle qui vient par l'initiative, mais aussi finalement par l'évolution des lois. Mais ils peuvent sortir de cette souffrance de souffrir avec une énergie. Ça peut devenir... Est-ce que c'est pire qu'ailleurs ? Nous savons tout désormais. Alors si on regarde la planète, la Terre entière, ça peut inévitablement nous sembler pire, parce qu'il ne peut pas y avoir une bombe qui éclate au Caire ou à New York sans que, une heure après, nous le sachions en déjeunant chez nous par la télévision. Tout est immédiatement connu. Et cet accroissement de l'information et pourrait et devrait se transformer en énergie si ça aboutissait, non pas à se résigner, mais à être décidé à mettre la priorité aux véritables priorités, servir en premier le plus souffrant. Père, 5 millions d'exclus en dessous du sein de la pauvreté, dont 1 million d'enfants, 3 millions de mal logés, dont la moitié en demande de logements sociaux, 600 000 logements déficients. Ce rapport de la Fondation Abbé Pierre montre l'ampleur de la crise latente aujourd'hui en France. Avec une situation pareille, estimez-vous que votre honneur, vous, l'Abbé Pierre, est bafoué ? Pas bafoué. Je suis solidarisé depuis plus de 50 ans avec cette situation. Et je prends conscience de la diminution de mes forces, mais je prends conscience en même temps de la multiplication de ceux qui, dans toutes les branches entre lesquelles s'est répartie notre action, la multiplication des personnes pleinement compétentes, pleinement capables et pleinement déterminées. Malgré la diminution de mes forces, je ne suis pas découragé ou pessimiste. Nous l'avons toujours dit, il n'y a pas d'illusion à avoir. C'est un combat qui devra être commencé, recommencé tous les jours. Parce qu'à l'instant où nous parlons, il y a des centaines, il y a des milliers de petits-enfants qui sont en train de naître. Monsieur l'abbé Pierre, le 14 juillet 1992, vous avez refusé le grade de grand officier de la Légion d'honneur.
pour attirer l'attention sur les 100 logis. En 2001, Jacques Chirac vous remet cette même décoration. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis? Pourtant, la situation des 100 logis est toujours la même. Oui. J'avais signifié que je ne pourrais accepter que si était créé un haut comité se rattachant directement à la présidence de la République relativement au logement des plus défavorisés. Et cela s'est réalisé immédiatement. En l'espace de moins de 3 mois, on avait trouvé les locaux, nommé par décret les membres de ce comité. Et ces jours-ci encore, j'ai eu à travailler avec cet organe qui a pour fonction d'alerter, empêcher de s'accoutumer, obliger. Et quand cela a été fait, je n'ai plus refusé cette distinction qui, tout le monde le sent bien, ne vise pas moi, mais tous ceux pauvres, blessés, qui constituent pour la France environ 4000 compagnons. C'est eux qui sont honorés par cela, c'est certain. Et moi, je ne suis que leur la petite façade. L'ambassadeur. Oui. Monsieur l'abbé Pierre, vous êtes rendu au Liban à l'invitation du Sénat libanais en 1970. Plusieurs personnalités libanaises, dont Mgr Grégoire Haddad, dont Aïdine Soloh, ancien Premier ministre, et créer la communauté qu'elle baptise l'Oasis de l'Espérance, par souci de pluralisme confessionnel. En 1996, fut créée l'association d'entraide professionnelle qui poursuit la présence d'Emmaüs. L'expérience libanaise, comment vous la décrivez? Vos rapports avec ce pays? Je pense qu'elle se révèle extrêmement efficace. Nous avons eu, il y a 2 semaines, une session du Conseil mondial de l'ensemble du mouvement Emmaüs. Il y avait les délégués, les représentants d'une 30aine de pays, dont les délégués du Liban. Et nous avons pu voir la solidité de ces actions qui est modeste, mais qui est exemplaire certainement par le prêt donné à des personnes décidées et capables de recréer des entreprises après les périodes de troubles de la guerre civile, de la guerre. On constate que c'est à moins de 2% que les prêts faits ainsi pour recréer des entreprises, c'est à moins de 2% qui ne sont pas rendus, ce qui est une des principale raison de satisfaction, car ça prouve que ce sont des personnes qui redeviennent responsables de leur propre devenir. Oui, c'est modeste, c'est important parce que c'est vraiment, ça se révèle vraiment exemplaire en efficacité. Père, et la toute dernière pause avec la publicité avant de reprendre cet entretien avec vous. Azikai al-Mushahidin al-Qasim al-Raba ou l'Akhir Badadi al-Wafi Khalikun Mana. Al-Qasim al-Raba ou l'Akhir ma à l'abbé Pierre. Monsieur l'abbé Pierre, vous évoquez souvent la solitude, entouré comme vous l'êtes, pas mal d'amis, pas mal de compagnons. Comment vous pouvez être seul? Je ne sais pas s'il m'est arrivé tellement d'évoquer un état de solitaire, de solitude. Je crois que là, on se trouve reconduit à ces 6 années de vie monastique, d'adoration nocturne. Pendant 6 ans,
à mes 20 ans, ce que j'ai acquis à cette époque s'est jamais détaché de moi. Et je ne sais pas, peut-être que c'est arrivé que je dise, alors, ça ne m'apparaît pas comme une caractéristique fondamentale de ma vie, de ma personne. Mais la solitude vous fait peur quand même. Pardon ? La solitude vous fait peur quand même. Non ? Non. Je la cherche. Vous la recherchez ? Oui. Père, la chasteté est-elle difficile ? Elle l'est pour tout le monde. Il y a une chasteté conjugale, comme il y a une chasteté pour quelqu'un qui a fait quelques vœux de célibataire, religieux, prêtre. Je ne crois pas que ça mérite un regard particulier. Chacun sait bien que vivre en étant des personnes sexuées et dont l'être est ainsi, cela appelle un combat de toute la vie qui est difficile pour tous, qui est possible. Le choix du célibat, vous le regrettez ? Sûrement pas. Et je dis constamment, quand on a le temps d'aborder ce sujet, je dis, je suis à l'aise pour en parler, parce que j'ai la certitude que si je n'avais pas été dans le célibat, ce dont j'ai été l'instrument n'aurait pas été possible. C'est pas possible. J'aurais absolument pas pu réaliser ce qui s'est fait dans ce mouvement si je n'avais pas été dans la solitude du célibat. Par contre, en même temps que je dis cela, et qui dit bien que je ne considère pas que le célibat est impossible, ou est contre nature, etc. Mais je l'accompagne en même temps en disant que, parlant avec des théologiens, je ne vois absolument aucun argument biblique, théologique, liant l'ordination de prêtre avec le sacerdoce. Au cours des siècles, à travers des séries de crises auxquelles remédier des conciles, mais cette question s'est trouvée posée. De nos jours, elle se refait poser d'une manière très intéressante, que j'avais évoqué il y a 10 ans dans une lettre au pape. C'est dans les pays où la diminution très grande des vocations de séminaristes est comme elle est, envisager de donner l'ordination de prêtre à des hommes mariés déjà d'avant, ayant mené leur vie de père de famille et bien conduit leur famille. Bon, comme ça a été dans la primitive Église. Le presbyte, ça veut dire le vieux. Et il y a là toute une réserve avec les systèmes de la retraite de notre temps, de personnes en pleine vigueur intellectuelle et capacité, et qui souffrent de ne pas trouver une énergie à laquelle se consacrer. Et c'est une étude qui revient récemment, depuis peu, dans les propos de beaucoup d'évêques. Monsieur le Père, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, vous êtes célibataire, vous contentez désormais d'un bol de soupe. Votre plaisir ultime reste de diminuer le malheur des autres. L'homme en vous est-il rassasié ? Qui est rassasié ? Quel est l'homme qui peut dire qu'il n'est pas avec des creux en lui qui appellent ? Et c'est... Mais vous n'êtes pas un homme ordinaire. Pardon ? Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un homme ordinaire ? Vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Vous dépassez. Vous êtes un messager. Oui. Mais soyez-le aussi. Chacun a notre portée, à notre dimension. Ça...
le manque d'affection dont vous souffrez depuis l'enfance. Et là, je cite vos propres propos. Votre mère, il paraît, vous a rarement fait des câlins. Ce manque d'affection, comment vous l'avez comblé? Ça a été par l'attention apportée à tous ceux parmi lesquels on se trouve. Ils ont besoin de se sentir aimés. Et autant la réponse à ce besoin d'être aimé, elle peut autant cette réponse se trouver dans le fait d'aimer. Dans le fait d'aimer, il y a d'une autre manière. Mais la merveille de cette espèce d'harmonie qui s'établit en chacun de nous et qui nous permet de reprendre nos activités chaque jour avec détermination. Père, en 89, assis à la droite de Jean-Paul II, vous lui avez suggéré de se retirer à 75 ans. C'est pas exact. C'est pas exact. Non, la lettre dans laquelle je lui parle de cela, cette lettre qui date il y a 10 ans, lui dit, comme je considérerais que ça serait à la dimension de sa personne, de sa vie, s'il crée l'usage que, comme cela s'est établi, du moins dans nos pays, que pour les évêques, que à je ne sais plus quel âge, 80 ans, ils démissionnent. Ils mettent leurs fonctions à la disposition de ceux de qui cela dépend. Et je dis dans ma lettre au pape, je lui cite un cas bien connu dans ma famille, parce que c'était mes grands-parents qui avaient payé ses études de séminariste et qui est devenu évêque de Marseille. Et il avait, quand il a accepté d'être évêque, il avait fait une obligation à son confesseur de lui dire quand il estimerait que c'était mieux pour le bien du diocèse qu'il se retire. Et il l'a fait. Et quand il s'est retiré, alors je dis dans ma lettre au pape, on peut craindre que cela risque de mettre dans l'embarras le successeur. Si le précédent n'est pas mort, si Jean-Paul II, au lieu d'être décédé, se trouvait dans un monastère pas loin pour son successeur, est-ce que ça ne serait pas une gêne? Mais je lui dis, en quoi est-ce que l'Église ne serait pas capable de faire face à cette sorte de problème, alors que le même problème se pose dans le business, dans les affaires, dans l'armée, etc. Il y a un colonel qui se retire, le colonel qui est nommé n'est pas gêné par l'ancien. Et est-ce que l'Église ne serait pas capable de supporter cet effort? Et alors je lui disais, si on a abouti à cela pour le bien des diocèses, de ne pas garder des évêques, dans quelques cas, gâteux, vieillissant et insupportable, paralysant toute initiative dans le diocèse. La fin de la vie de Pie XII a été navrante. Quand Mgr Montini, futur Paul VI, et Mgr Tardini, tous les deux assesseurs à la secrétaire d'État, ont ensemble donné leur démission, c'est que Mgr Martini, Paul VI, me l'a dit, c'est que le travail avec Pie XII était devenu impossible. Et ils l'ont dit. Alors je lui disais, la charge de souverain pontife est encore tellement plus lourde que celle d'un évêque, est-ce que ça ne serait pas merveilleux si vous créez la coutume de faire qu'ils se mettent à la disposition en disant « je ne démissionne pas ». Mais j'accepte de me retirer si vous me dites que pour le bien de l'Église, je ne suis plus en état. Or, il y a 10 ans, avant la mort du pape Jean-Paul II, il y a 10 ans, il aurait fait cela. Il est probable qu'on aurait dit « oui, retirez-vous, vous n'êtes plus capable ». Car il y a 10 ans, il se trouvait handicapé à un point
on doutait qu'il puisse reprendre. Il a eu cette énergie pénible, d'ailleurs, considérée pour tout le monde, cette énergie avec laquelle, ne pouvant pas parler, ne pouvant pas dire un mot, faire un pas, mais pendant 10 ans, avec une puissance mentale, intellectuelle absolument parfaite, fascinante. Il a été capable de rebondir et de tenir jusqu'au moment où Dieu l'a rappelé. Mais pour ceux qui ont connu la réalité du temps du pape Pie XII, sa fin de vie, cette pensée de faire que toute fonction est tenue à la disposition de ceux de qui ça dépend, qui décide. Père, le combat continue et il doit continuer. Qui prendra le flambeau? Qui sera l'abbé Pierre de demain? Parce qu'il y a de l'organisation. D'abord, il ne faut pas chercher de successeur à quelqu'un qui a été, par des événements, le fondateur. Il faut chercher des personnes capables d'avoir le même esprit et d'avoir les compétences. Des compétences qui souvent m'ont manqué. Je n'ai jamais été expert en quoi que ce soit. Mais parce que, au fur et à mesure que dans ces 50 ans, chaque fois que je voyais quelqu'un qui montrait qu'il avait compris et qu'il avait la capacité, je lui disais « occupe-toi de ça ». Et n'essaye pas d'imiter un autre, sois toi-même, à ta façon, et je ne viendrai pas t'embêter. Et parce que toute ma vie, j'ai fait comme ça, en disant indéfiniment à tel ou tel ou tel, quand je juge incapable, de prendre une branche. Vous avez délégué les fonctions. Absolument. Il se trouve que, bon, le bon Dieu me fait tirer la langue et attendre, mais le jour où enfin le bon Dieu m'écoutera, je n'ai aucune inquiétude. Ça ne sera pas identique, mais de même que ce n'est pas identique au bout des 50 ans à ce que c'était au bout de 30 ans. C'est un arbre qui pousse, et il aura encore des branches. Et... Oui, je n'ai aucune inquiétude. Ça ramifie. Oui. Mon père, vous avez pratiquement vécu le 20e siècle en entier. À votre avis, quel fut l'événement le plus important? C'est un événement qui est passé complètement inaperçu et qui est probablement aussi gros de conséquences que tout ce qu'il y a eu autour de Galilée. Autour de Galilée, il y a eu la condamnation, parce que dans la Bible, il est dit que Josué a arrêté le soleil pendant une bataille. Donc c'est que c'est le soleil qui tourne, puisque la Bible dit qu'il a arrêté le soleil. Bon, et puis on est venu lui demander pardon, relevant de la communication, etc., et reconnaître qu'il avait raison, et qu'on avait tort d'interpréter comme la Bible, comme un manuel de la physique. La Bible, elle donne une leçon morale pour guider, mais elle n'est pas un manuel de science. Or, l'événement d'une portée plus grande encore, mais dont les répercussions commencent très peu à être utilisées, étudiées, c'est le fait que le pape Jean-Paul II, il y a en 89, je crois bien, Laurent, non, il n'est pas là. Je crois bien que c'est en 89, Jean-Paul II, inaugurant une session de l'Académie des sciences du Vatican. Il y a une Académie des sciences avec les plus grands savants du monde au Vatican. Et quand il ouvrait une des séances de cette Académie des sciences, le pape a dit « L'évolutionnisme a été déjà, à telle date, déclaré par un autre pape comme un sujet méritant considération. Et moi, je vous déclare, dit-il, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner une copie du document. J'ai demandé au cardinal Echegaray de me retrouver le texte intégral du propos du pape Jean-Paul II, et il me l'a envoyé dans la journée, par fax. Et j'en ai donc des copies. Et il dit,
on doit désormais affirmer que l'évolutionnisme est plus qu'une hypothèse, donc est une réalité, ce qui pose des problèmes énormes, car si la création se fait par une lente évolution, à quel moment faudra-t-il considérer qu'intervient le péché originel, le paradis, le péché originel? Sur ce courant, tous les scientifiques admettent qu'il n'y a qu'un seul rameau de ces divers rameaux dans lesquels l'évolution s'est développée, il n'y en a qu'un seul qui est devenu l'hominidé, l'homme actuel. Mais ça va être, c'est probablement pour dans 10 ans ou 50 ans, le plus grand événement du XXe siècle. La reconnaissance de ce que Teilhard de Chardin et combien d'autres ont été persécutés, comme Galilée, et parce qu'on s'obstinait à vouloir prendre littéralement le récit de la création, Dieu créant Adam et Ève, alors que toute la science nous révèle que depuis les, comment les appelle-t-on, les éléments de vie les plus premiers, je ne trouve plus le nom, les bactéries, oui, depuis les bactéries, la première cellule dont on trouve qu'elle a de la vie, depuis ce moment-là, la vie s'est multipliée, s'est développée jusqu'à l'homme debout, l'homme sage, etc., et l'homme actuel, avec toutes les recherches archéologiques. Je pense que les répercussions dans l'avenir vont être immenses, parce que c'est la rencontre possible des vérités de la foi qui ne sont pas prises littéralement comme un manuel de physique, mais se rencontrant avec le message que donne la Bible, que donne la révélation. Mais la révélation ne vient pas nous apporter des indications historiques sur la façon dont s'est produite le développement de la vie. En parallèle, Père, cinq figures contemporaines se sont distinguées avec une dimension au-delà du temps. Jean-Paul II, Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, l'Abbé Pierre et le Dalai Lama. À votre avis, quel a été le personnage qui a marqué effectivement ce siècle? Demandez au vendu. Faites un référendum. J'arrive là à ma toute dernière question. Saint Rouge, petit père des pauvres, le pape des pauvres, l'apôtre des sans-logis, que reste-t-il d'Henri Grouès 100 ans après? Un petit vieux. Monsieur l'abbé Pierre, je vous remercie infiniment d'avoir pris part à cette émission et de nous avoir accordé cet entretien. Nous vous avons suivi avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de chasteté, avec beaucoup de foi. Il y a tout un public arabe, naturellement, qui vous suit ce soir. Est-ce que vous avez un message à lui faire parvenir? Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, je ne sais pas comment vous le comprendrez, c'est que mon premier mouvement avait été d'identifier dans ma petite tête arabes et musulmans. Et puis je découvre tout d'un coup que je suis beaucoup plus à l'aise en me demandant un message pour le monde arabe qui inclut des diversités, que je connais mal d'ailleurs, mais je le sais, je suis beaucoup plus à l'aise de m'adresser à cette diversité par laquelle je suis, bien que je connaisse mal l'islam un peu, mais pas assez, je suis convaincu que l'essentiel dans le Coran et tout ce qui en résulte, c'est la vie est faite pour aimer, pour apprendre à aimer. On ne le sait pas tout seul, il faut que ça s'apprenne. Et je pense que c'est là que les diversités qui sont dans le monde arabe, comme ils sont, disons, dans la race blanche et la race noire, mais c'est là où les diversités s'unissent, c'est que toutes
certainement, si on approfondit leur dogme fondamental, se rencontrent sur le même point, apprend à aimer. Je crois que c'est Gandhi qui disait « N'oublions pas que la Terre est ronde ». Alors au lieu de nous disputer, chacun approfondissant la racine, et comme la Terre est ronde, toutes les racines se rencontreront au milieu. Merci encore une fois. أصدقائي المشاهدين، درس بالتواضع، درس بالتقشف، ودرس بالمحبة، على أمل أنه كل شعوب المنطقة وكل طوائف المنطقة تتكامل وتتحاور بمنطق السلام ومنطق المحبة، وعلى أمل أنه تبقى قيم الإنسان والقيم الإنسانية أقوى من السلاح وأقوى من المال. بتشكركم، بشكركم على وفائكم للبرنامج، بعطيكم موعد بالأسبوع المقبل بنفس الوقت. لكم مني أطيب الأمنيات، تصبحوا على خير.